Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien que vous le voyez aujourd'hui, on va se pencher sur la Super Master Star Spies de Vegeta. Enfin, je l'ai, la 4ème, ça y est, là, hop là. Hop là, 03, là c'est la The Tones. J'ai pu la choper, ça y est, collection complète les amis. Enfin, je peux vous la présenter et elle est ouf. Elle est ouf, en noir et blanc comme ça, c'est comme Goku, c'est un truc de malade quoi, c'est un truc de malade. Bon, je suis vraiment désolé, hein, j'ai mon autre pièce qui est plus ou moins en travaux, du coup, impossible de faire de la vidéo là-bas. J'essaie de vous montrer ça sur un petit écran, un petit lieu, un petit endroit, mais bon, écoutez, c'est pas grave, le plus important c'est de jeter un œil sur ce joujou-là du jour, comme d'habitude. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire, que c'était en avril 2017 qu'il y a eu l'Ichiban Kuji, la loterie dans les game centers japonais. C'était organisé par, comme vous pouvez le voir ici, Banpresto, c'est le distributeur Dragon Ball Super à la licence. Le prix du ticket c'était 5000 yens et on ne savait pas sur quelle figurine on allait tomber. Bien évidemment, dans les boutiques, les prix ont augmenté de ouf, plus particulièrement la 04, la Two Dimensions, qui tourne actuellement dans les 30000 yens quoi. Sortez le porte-monnaie, hein. Sortez le porte-monnaie. Celle-ci, elle tourne en moyenne dans les 10 000 yens au Japon, hein, franchement. Mais il y a des mecs qui arrivent quand même à choper cette figurine-là à prix plus qu'abordable. Hein. Je pense plus particulièrement à notre ami Thierry Jacac, qui commente pas mal sur Facebook. Salut à toi l'ami, franchement gros GG à toi qui a chopé cette figurine-là dans les 8000. Franchement, c'est une affaire de ouf, quoi. Donc si vous la voyez dans les 7-8000, voire moins, hein, sait-on jamais. Comme moi, par exemple, je l'ai chopé dans les 6000, gros coup de cul. Écoutez, voilà. Je pense que c'est une figurine à ne pas mettre de côté, à ne pas négliger. Hein. Même à 10000, j'ai envie de vous la conseiller, quoi. Mais franchement, parce que c'est une Vegeta qui en met plein la gueule, quoi. C'est juste complètement fou. Bref, je sais que vous êtes nombreux à avoir vos petits plans. N'hésitez pas, par ailleurs, à partager dans les commentaires, hein, sur Facebook, sur Twitter. Je suis pas le mec qui censure à mort. Hein. Vous pouvez partager des liens entre vous pour vous aider à choper de la figurine pas très chère. Hein. C'est pas un problème. Faites-vous plaisir. On est des passionnés, les amis. On est des collectionneurs. Si on peut choper de la bonne figurine à petit prix, moi, je dis oui. Allez, on arrête de parler, Une cérémonie, là. Il faudrait une petite musique adéquate, tu vois. C'est ouf, quoi. Bon, bref. Elle est là. Oh, Oh là là. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Regarde ça, quoi. Oh là là. C'est dingue. Oh là là. Mais sérieux, je pars en couille. Complet, les gars. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, le Vegeta, quoi. J'adore le petit trait noir bien prononcé autour des yeux, là. Oh là là, c'est juste ouf, quoi. Ouf de chez ouf. Donc, une modélisation du prince qu'on connaît déjà, que j'admire, j'apprécie particulièrement, puisqu'on a un prince design années 90, des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, une calvitie de psychopathe, comme j'aime le dire. J'adore, c'est juste ouf. Hein. J'adore sa carrure, j'adore les jambes, les muscles, machin. Enfin, ils ont fait une modélisation complètement folle. Pour ne pas changer la The Tones, c'est une figurine, j'ai envie de dire, prototype, conçue à la base pour les artistes en herbe, voilà, qui aiment repeindre la figurine selon leurs envies. Mais j'aime énormément sous cette tonalité-là. Regardez les cheveux blancs, quoi. Les cheveux blancs, ça donne un aspect particulier à la figurine. Un aspect divin, différent de ce qu'on voit habituellement. Mais j'adore, quoi. L'armure est blanche et grise. On a bien ses vêtements, son latex moulant, j'ai envie de dire. Non, faut pas déconner. Dans un noir très sombre, on n'a pas de dégradé, bottes blanches, hop là, de la semelle grise. Non, franchement, c'est superbe. On a un léger gris pour la couleur de la peau. Franchement, ce Vegeta là, il en met carrément plein la gueule, quoi. Il en met carrément plein la gueule, et accompagné de la Two Dimensions, la The Brush et l'original, exposé à la suite comme ça dans une vitrine, je dis oui dans tous les sens. J'ai hâte d'avoir mes vitrines et vous montrer un peu tout ça, parce que vous me réclamez souvent de montrer ma collection, et franchement, pourquoi pas vous montrer un peu tout ça. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire.
vous avez toutes les infos. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos bons plans, hein, parce qu'elle est assez difficile à trouver à très très bon prix. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que cette figurine-là du jour vous plaît. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question simple, hein, parmi les quatre, à savoir la The Brush, la originale, la 2 dimensions et la The Tones. Quelle est votre figurine préférée? Une seule, une seule. Franchement, moi de mon côté, vous le savez, je pense depuis le temps, c'est la The Brush. J'ai rien d'autre à ajouter et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.